C'est parti. Peut-être une frappe à venir. Enriquez, la frappe. Oh, bah quelle frappe, frappe. Et quel arrêt incroyable. Ah bah super, Dimitri, tu as remis la frappe. Ah oui, on la voit bien là. Ouf. Ah, bien joué dans l'intervalle pour Isola. Et ce ballon, très bien mis bien fait. Pour Zawi. Dans la surface qui est passée, Zawi, attention, avec peut-être un centre en retrait, c'est bien fait, ah, la très bonne défense. Zawi, il avait tout fait. Zawi, qui revient. Ah, c'est pas mal fait ce ballon, attention, peut-être le but incroyable. Magnifique de Kpolo, qui récupère ce travail de Zawi. La passe pour Kpolo, qui va éliminer le gardien Dimitri et le terminer tranquillement. Incroyable, incroyable but de Kpolo, magnifique. Magnifique finition, désir son désordre. Ah, yeah, superbe, ah, là, on le voit parfaitement. Superbe. Et ça y est, la mi-temps arrive. Qui va se battre pour récupérer le ballon, c'est perdu. Seda, Seda dans la surface de réparation. Attention, Gourgan, la frappe, c'est contré. Qui a été peut-être bousculé. Attention, le but. Oh là 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 là, ce ballon. Regarde, il me semble que là, pouf, oui, il l'enlève. Hein. Il y a un bon coup à jouer pour le GF 38. Ben Younes, le ballon et le but. Oh, il a été contré, ce ballon de Ben Younes, qui vient doubler la marque pour le GF 38. Défense des joueurs de Teddy Palermo. Et la Ben Younes, oui, hop, ouais, but contre son camp quasiment. Ah ouais. Et ben non, ce sera Cetin. Et c'est bien le point de pénalty, le but. Et la réduction du score. Dimitri sur ce coup franc, la petite faute de main, je pense, du gardien. Mais Youssouf Cetin qui est allé marquer. Il reste 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et du coup, oh, attention. Ce ballon, Kevin, le but incroyable. Oh, le but gag. Oh, bon, 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 non, il n'a pas été accordé. Ben Hachalem de nouveau. Zaguani qui est venu apporter un petit peu le surnombre. Gourgan qui écarte sur le côté droit. C'est bien fait. Le centre. Oh, centre pas, 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 mais l'égalisation. Égalisation de Cessiné. Et ben voilà, tu l'avais. Qui était mené 2-0, Hugo. Senti venir. De partout. On va revoir déjà ce but parti de Gourgan. Qui décale admirablement sur le côté droit. Le centre en retrait. Et ben je crois que c'est il est touché par personne, hein. Il donc me semble. C'est Dos Santos, hein, qui le met. Ouais. Ah, c'est peut-être une faute du gardien. Ils sont trop rapides là pour Djellal. Djellal, il y a du champ. Djellal, il avait du monde à droite et il l'a vu. Attention dans la surface de réparation, la sortie. Excellente sortie, excellente sortie du gardien. Attention, deuxième poteau, le but. Et le troisième but pour Cessiné. Oh, encore une faute. Incroyable. Incroyable. C'est Zaguani qui a marqué. Ah oui, c'est ça, mais je crois qu'il marque de... Je sais pas s'il marque pas des fesses. Et c'est sorti, ce ballon. Ouh, la 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 la. Un carton rouge direct pour Djellal. Et ben voilà. Et voilà. C'est terminé sur cette victoire. Terminé. Et on se prend le 2-0. On sait que ça faisait mal mentalement, mais on est une équipe, on a du caractère. La semaine dernière, on a mal fini la deuxième mi-temps contre Annecy. On était obligé de se rattraper aujourd'hui contre le GF. Ah, c'est ça, je le prends de là, derrière l'épaule. Ouais, voilà, je la touche derrière le dos, un peu du dos, épaule derrière. Je coupe bien la trajectoire, Youssouf tire bien et ça fait le 3-2 et tout le monde est content. Juste avant la mi-temps, on prend un but. Ça fait un peu mal en retour de mi-temps, mais on s'était tous dit qu'on allait le faire. On savait ce qu'on pouvait faire, les capacités qu'on avait. On a que des gros joueurs, tout le monde avait envie de gagner. Ceux qui sont rentrés nous ont vraiment fait du bien.